Je le maîtrise. Je fais un montada. C'est pas ta chance peut-être, hein? C'est pas ta chance de le savoir. C'est peut-être un défaut comme tu penses. Un défaut à un moment donné qui devient la croyance. Tu veux savoir pourquoi c'est comme ça? Un connaisseur en fait qui est le Messie. Et l'autre en fait qui est l'imam Mahdi. Et derrière, en arrière, un autre homme qui est en fait le Créateur. Qui est le Créateur mais qui se dit juste un ancien. C'est bien ancien parce qu'il ne veut pas ce que tu veux toi. Il veut quelque chose d'autre. Il veut te prouver aussi qu'il n'a pas forcément ce que tu dis qu'il a. Qu'il n'est pas forcément celui que tu dis qu'il est. Il veut montrer quelque chose. Il veut montrer que pour l'instant, peut-être tu as ce que tu dis être. Si tu ne te mets pas en travers de sa route, si tu ne fais pas défaut dans ta croyance une nouvelle fois, si tu ne me laisses pas tomber, si tu me gardes, et si tu fais ma volonté, j'enterrerai, si tu veux, la mauvaise idée. Je la laisserai loin, loin de toi. Tu ne seras pas touché par cette idée. Tu n'auras pas l'idée toi-même de la garder. Tu te garderas de la mauvaise idée et tu me feras confiance. Tu arrêteras de te repentir. Tu mettras ta parole en jeu pour avoir enfin la connaissance. Et la vérité sera formée. Le lien indivisible de notre religion, celle qui fait que nous soyons le sabre d'Ali, cette connaissance qui fait que nous soyons aussi préparés pour la grande guerre. L'État n'est pas nouveau, il était déjà là, il était déjà prophétique. Les sentiments que nous avons sont les grandes phares, les grandes foulées que nous formons. Que nous formons avec nos dieux. Un événement va se produire. L'imam Mahdi va surgir chez vous. Dans la croyance, on appelle ça souvent ce que vous appelez des équités pour un nom. Au milieu de tout, vous finissez par trouver quand même de l'ordre. Augmentez votre savoir, augmentez ce qui fait de vous des savants. Ne faites pas confiance à toutes les raisons qui font toujours la guerre et le conflit sans admettre qu'il y ait une vérité dans la vérité. La vérité est parfois difficile à percevoir parce que personne n'arrive à la croire sur terre. Le temps vous dit de vous préparer. De vous préparer et d'être à même de faire notre croyance sur elle. Je pense que pour cette idée, vous faites partie de l'avenue. Dans l'état, peut-être que vous êtes attendu. Dans le choix que nous avons de résister, vous faites l'ultime élu de notre religion. Vous êtes un peu le Mahdi. Vous sortez un peu du lot. Vous contentez de vos équipes. Vous avez cette croyance qui fait que vous soulevez toujours le Kéim. Vous religieusement faites votre intention de parcourir la terre avec notre peuple. Le peuple de Palestine. Vous voulez avoir ces hommes qui ont longtemps été la connaissance des jeunes et l'ancienneté qui faisait notre religion la belle vérité des hommes. La plus grande année se reformera en nous. Vous verrez des jours sur lesquels les mains seront priantes et seront accueillantes pour le messager d'Allah. La vérité n'est pas seulement un seul islam, elle est une marche vers la finalité de la guerre. Autant que le peuple soulève le bras armé, un homme de la religion
Le peuple suit cet homme parce qu'il pense qu'il détient la prière de Dieu. Pas mal, pas mal, pas mal. J'ai connu mieux. J'ai connu mieux. Tu répéteras plusieurs fois l'opération jusqu'à être sûr que ça rentre dans le quoi. Dans le quoi. Voilà, jusqu'à ce que ça rentre dans le quoi. Quelle est notre audience? Notre audience est en fait peut-être la Palestine aujourd'hui. Au milieu de tout, la Palestine devient le monde. Elle ne cesse d'augmenter malgré ce qu'on dit d'elle. Elle ne cesse d'accroître son potentiel dans la maison de Dieu, malgré ce qu'on en dit dans le conflit et les manifestations de la guerre. Le choix de résister est en fait contemplé aussi. Les résistants. La force de toute personne qui a élevé le soleil dans la religion était de prédire quel était notre mouvement dans la vôtre de conscience. De conscience pour représenter cet être qui est la vérité. Le choix en vous de constituer ce que vous attendez est en fait votre religion qui peut vous aider et vous préparer à ce qui vous attend. L'ancienneté ne dit pas tout, mais elle est révélatrice du bien guidé. Le choix de tomber juste au moment où vous vous attendez est en fait le Mehdi. Le corps que vous avez est en fait celui qui va au plus loin chercher la barakat d'Allah. Et les sentiments qui sont dans notre connaissance du grand qui nous fait venir en aide à tous ceux que nous appelons nos grands. L'État nous finit, ou nous finissons la première Oumma par un bon temps, où la main du commandant commande de la grande religion. Les mains des croyants sont le commandement d'Allah. Les terres ou le camp de la direction est mis sur les voyageurs indigents, ainsi que sur les muscles qui font aussi le savoir dans la guerre. L'État n'a pas tout à vous redire sur la sagesse, en dehors du fait que vous commandez aussi cet État, quand vous venez au nom d'Allah. Prédire qu'il y aura parmi nous des rescapés et des gens qui formeront l'ultime préparation pour la fin des jeux. Avoir cette religion une nouvelle fois, avoir encore le choix de pouvoir le dire, ne pas se mettre en travers de ma route, ne pas venir sans cœur dans ma maison, ne pas offrir d'autres volontés que la volonté d'Allah, éclaircir vos prophéties par le choix que vous faites de vous manifester lors des sentiers qui mènent à la réconciliation et la bonne idée de la communauté de Dieu. Le choix de toute personne qui estime sa conscience, qui veut faire partie du monde qui a évolué. Dans les terres, le choix que vous choisissez de partir fils à Bilillah dans la croyance, avec l'atout de la venue, du mérite, le sens de l'attendu, les guerres qui nous font croire en notre bien, notre harmonie, pour le choix du haut, le sentiment des croyants, la versatilité de miséricorde, le choix des bien guidés qui soulève le casque du Selem, l'état dans lequel vous pourrez, vers le droit chemin du haut, dans mon sens, le chemin qui me mène vers le parfait, le temps dans lequel j'éprouve le nom de mon Dieu, le
foi de mes partisans. La victoire que j'offre à la venue de la grande formation de notre camp. Les sentiers qui font espérer nos paroles dans les prières qui annoncent les guerriers pour la volonté d'Allah. Le sentier que vous voulez est en fait celui qui marche vers la finalité. Il est temps pour vous d'ouvrir le ciel et de consulter le livre de Dieu. L'état qui vous fait espérer et croire en la foule bien guidée de nos aïeux comme de nos prédécesseurs qui ont voulu la mosquée de Dieu. Un événement bientôt se formera. Vous entendrez la liberté vous appeler en guidant vos chemins loin de la haine entre les frères et proche de la contemplation d'Allah sur la terre. L'imam m'a dit, au milieu de vous est l'ordre qui augmente comme les bonnes actions font la bonne communauté dans le choix de régler nos conflits et de résister à l'occupation quand elle fait le rôle du meurtre de notre pays. Le choix du sang et parfois la croyance sur la terre qui mène à la personne de Dieu. La préparation, c'est en fait le Kaim qui galope sur le ciel. Le temps de la venue. La grande religion qui m'attend et qui vous attend. Le choix où vous venez pour m'accompagner et découvrir notre ultime relation avec le soleil de la vérité. Le choix en nous d'éclairer les paroles qui donnent vérité à notre compagnie dans le choix de remporter à nouveau la destination de la miséricorde. Le choix que vous avez d'attendre sur votre chemin le même esprit qui vous a guidé jusqu'à la maison, qui fait votre choix dans le mien, le mérite, le corps de Dieu, le sentiment du droit qui arme et qui forme par la parole, l'intention de l'arrivée dans l'imam, des croyants qui pèsent sur l'arbre de la fin du jour, le gant de la direction des pères qui ont aimé venir en compagnie de notre repentante direction. La foi pour vous guider sans admettre que vous ayez d'autres volontés, celle de nous réaliser un destin qui viendra bientôt chez tous les musulmans et toute la religion. Et voilà. Notre travail de repartir là où nous avions recommencé. Notre science de revenir là où Dieu laisse manifester notre maison, comme toute la guidée qui ne cesse de nous rendre, qui nous remporter, de nous remporter les guerres qui ont été faites à l'islam, ainsi que les choix que nous avons de retenter notre empoignement de la religion au Caire. Nous voulons que toute personne sur la terre soit apte à rendre la justice comme est l'aspect de l'équité dans la venue du bien guidé pour tout le monde. Nous soyons saints. Nous soyons adorateurs et
musulman dans notre religion qui est le Mehdi. Nous voulons tracer notre destin, apprendre aux uns et aux autres notre promesse qui fait notre choix dans la religion, notre guidée élevée par le Kouwa du Palestinien qui veut rendre le corps d'Al-Mahdi le bien à la fin de la guidée du peuple qui revient de loin. La plus grande terre est celle qui revient du lointain voyage du dernier prophète, comme du dernier voyage du prophète vers sa terre et vers la volonté du Seigneur. Et voilà, vous n'entendrez pas plusieurs fois ces propos. L'âme, elle est guidée parce qu'il élève toujours ce qui penche pour le bien guidé dans l'état où vous reconnaissez votre maison dans ma maison. Vous avez une relation avec Dieu qui soit ainsi jusqu'à la fin des temps. Aïwa. Dans le but de Dieu, nous connaissons la force, nous en avons le privilège de connaître la prière qui nous rend forme et qui nous rend notre vraie communauté. Nous n'honorons pas tout, nous honorons un sens que Dieu veut que nous donnions à la vie éternelle. Ce sens est le choix de nous retourner comme la maison qui fait notre foi. Nous donnons foi à Dieu qui fait notre jour dernier. Nous sommes ce jour nouveau sur lequel la parole de Dieu se lève comme un corps qui a ressuscité de ces pratiques qui ont été données par des bouches qui ont nourri à la bonne volonté de la guider. Le choix de reprendre notre conscience dans le monde, rétablir notre parole comme une science qui a fait lointainement le parti qui fait aujourd'hui notre unité. La connaissance est en fait notre compagnon qui fait la justice. Les récompenses seront grandes et seront pour ceux qui ont longtemps cru et longtemps aimé ce que nous hommes croyons possible de la liberté d'Allah subhanahu wa ta'ala. La religion et la connaissance de Dieu en sage, vous dites, est la maison de Dieu. En Dieu, vous dites, j'ai la connaissance, je le suis le bien guidé. Je le suis aussi mon Dieu qui m'a aimé. Je ne veux pas être seul à croire que je le suis, mais je veux promettre que le nom de Dieu sera le nôtre. Voilà, rien, c'est bon, t'es là. La parole de Dieu n'entoure pas toujours votre maison. Gens de la maison, votre parole étonne peut-être un peu notre parole. Vous mettez en relation et vous faites communiquer les choix que nous faisons demain. Vous dites demain,
l'autre à venir et d'entre eux, la maison et le dernier islam. Vous dites demain votre conscience est dans la paix et l'imam Muntada. Vous reconnaissez un choix, l'égalité et la parole qui nous mène à l'avènement de toutes les communautés sur le nom qui fait musulman, la pensée et le savoir. Vous entendez le Kayn. Dans l'histoire, vous aurez à dire, vous commettrez deux fois l'imam et une fois le choix du temps dernier. L'égalité dans notre prophétie et le Seigneur qui est égal aux yeux des musulmans pour choisir entre vous et la communauté qui fait élire Allah comme le souverain de l'imam Mehdi. Mon souverain et votre souverain pense le choix, la guider, le souverain qui vous amène par le sens de la réponse à toutes les repentances et toutes les connaissances qui ont été données pour le seul et unique roi qui fait le choix de tous nous parler et nous repentir sur le dernier nom qui était Hammamed. Dans la guidée, elle était le messager. Dans le fils, il était l'État. L'État. Et voilà. J'enseigne l'écart. Et j'enseigne aussi l'utilité contre la contrefaçon. La contrefaçon peut être dans le monde ce qui vous empêche de reconnaître ce qui provient du Seigneur, parce que vous n'avez pas toujours la façon d'exister. Dans l'homme qui parle des paroles de Dieu au nom d'Allah, les prophètes sont le dernier nom sur la maison de Dieu. Allah, le premier nom sur la guidée de Mehdi. En Dieu de ma guidée, en Dieu de Dieu, les scientifiques forment une large communauté, comme une large intention de recroire notre parole et notre désir d'étudier notre direction à la mesure de nos efforts et à la conscience de notre arrivée dans la vie qui fait la balance entre les bons et les plus grands distanceurs de la Mecque qui font la vérité du chevalier qui voit à la maison de Dieu. La bonne réponse par l'unité de notre corps, de notre cœur, par la venue de notre pensée, notre union pour les jeunes et les enfants, et le bien guidé pour tous les temps. L'État est la plus grande compensation à l'égard de ceux qui ont longtemps cru qu'il devrait le dire, au même titre que l'État devrait le croire. Notre science, que l'État doit aussi le dire, comme les musulmans ont dû le croire. Le choix est de rétablir la bonne direction. L'ancien qui a le bon sens et la bonne union dans notre lieu. Nous ne contemplons notre pensée. Maintenant, vous avez à dire.
J'ai la connaissance. La vérité ne se discute que lorsque nous avons atteint notre direction. La pensée est faite avant. Elle est faite pour en fait croire tout simplement en votre parole et que vous puissiez après accéder à notre conscience. Élevée ou non dite, la conscience est en fait reprise pour ensuite mener à l'imam. De votre connaissance, si vous payez plus de 200 euros d'impôts par mois et que vous souhaitez... L'imam, en fait, n'est pas inaccessible comme vous pensez. Je ne suis pas inaccessible à votre connaissance. Mais je relève de l'ordre d'Allah. Ma connaissance est en fait la volonté qui est faite par Allah. D'ailleurs, elle n'a pas été la vôtre sans que vous ayez connu qu'elle était bien la vérité venant d'Allah. La miséricorde est le royaume qui en fait les qualités, comme le sentiment en vous de reconnaître les scientifiques qui en font la première raison. Le choix de nous guider et de nous pardonner entre frères longtemps. Et ce qui fait notre union pour Allah dans le temps où nous nous donnons de la foi et de la force pour exister. Le choix de partager entre nous les biens et de les mettre au service de toute la communauté. Et ce qui fait toujours notre bonne valeur dans ce que nous appelons les sermons qui nous rassemblent pour l'intelligence du groupe comme de l'unique détenteur de notre richesse pour l'avenir qui représente chaque musulman dans les textes qui sont dits dans le Coran ou dans les religions qui sont faites à travers le lien de la guidée, la pensée de lier par la guidée les événements et la conscience de la communauté est en fait ce qui nous rétablit en tant que religion et aussi ce qui nous permet de voir clair dans nos inspirations de l'esprit qui fait ensuite le rôle du guide dans le choix de nous répondre. Au jour dernier, la direction est tout le temps le renvoi de la miséricorde et la bénédiction pour tous ceux qui ont compris le message de la maison de Dieu et l'intention qui était devant tous les croyants, la volonté de Dieu. La pensée est clarifiée pour que vous ayez l'explication qui en fait plus tard la maison dans le choix de reprendre toujours la direction qui est annoncée. C'est en fait reprendre l'annonce qui en a fait les capacités de guider jusqu'au bout de la direction qui a été annoncée. Quant à celle qui veut suivre cette direction, elle doit annoncer à son tour à la base de la science qu'elle dit avoir du choix qui a été fait et des directions que nous prenons pour la prochaine direction, la connaissance qui mène à la prochaine résolution de notre communauté à avancer plus loin dans le fin de la pensée de notre croyance. Notre croyance est la plus recherchée. Elle est aussi la plus utilisée parce qu'elle est le peuple et la civilisation qui a le plus de connaissances et le plus d'intelligence dans la façon de religieusement se conduire.
La parole que nous avons nous conduit toujours comme notre foi nous porte pour la prochaine fois où nous allons religieusement protéger notre religion des péchés comme des ennemis de notre connaissance. Nous réservons notre connaissance à ceux qui gardent la foi dans notre pratique et dans notre conscience de ce que nous avons voulu et fait évoluer pour notre repentance encore. Si vous suivez toujours le chemin indiqué, vous finirez par trouver au bout une certaine satisfaction d'avoir connu quel était l'engagement que vous avez donné ainsi que le but de notre conscience que nous avons retravaillé et protégé par le Coran ainsi que les victorieux qui ont fait l'affaire de dire leurs paroles pour avoir ensuite indu dans le religieux concernant les esprits qui ont fait repentir encore les ennemis de Dieu. La connaissance, elle est partagée, mais elle est aussi réservée pour que nous ayons notre bien entre ceux qui sont pratiquants et ceux qui sont musulmans. Puis, nous faisons le choix de partir à la grandeur de notre étude comme de notre satisfaction à produire une explication et une intelligence dans notre groupe de divulguer la vraie direction de notre parole. Elle est l'ancienneté dans notre volonté de promettre un scientifique à la mondiale communauté de l'humain, anciennement le corps du Créateur de la Terre, plus grandement le nom de tous les musulmans qui viennent à la suite du calife, qui vient rejouer le conscient de toutes les pratiquants du monde et des pratiques du monde pour faire le choix de représenter en Dieu les croyants et les croyantes dans la totalité de notre effectif. Notre effectif est le bon rétablissement de l'ancienneté comme de la croyance dans les repentances de l'hyper-pouvoir de la croyance et la guider. Notre choix de repentir et l'égalité et le succès de certains manifestateurs du Mehdi sont en fait de vouloir que les chers qui ne se sont pas encore repentis, comme les imams qui m'ont vu et qui ne se sont pas encore repentis, arrivent à la croyance de ne plus se repentir. La vraie croyance que je donne a un aspect révolutionnaire. Elle n'est pas uniquement un dogme que vous suivez, ni un dictat qu'on vous commande sans que vous sachiez. Elle est en fait ce qui vous porte, ainsi que ce qui vous fait estimer les grandes relations du livre et de vos parties sur la terre. L'armée de Dieu vient nous aider quand nous faisons le choix de libérer notre volonté et notre connaissance. La connaissance est reprise par les esprits que Dieu mène et sont portés par des grands esprits qui font après
mouvements pour notre guider. Elles sont en fait des successions de saints dans la volonté de Dieu, ainsi que de pratiquants dans la vérité des messagers de Dieu, qui font toujours la communauté derrière le bien guidé, comme le choix de me guider avec l'avant de la conscience qui respecte et mon arrière messager comme mon avant Mehdi. Aïwa, mon avant Mehdi est l'imam dans la totalité qui était déjà le bien guidé. Nous ne sommes pas venus sans avoir raison dans notre raison de exister. La pensée, c'est en fait l'existence. C'est aussi la libération de la vie. Elle est toutes les formes que Dieu a créées et qu'il a aimées, comme la miséricorde qui est la première direction de tous les croyants dans le monde. Elle est aussi la bonne volonté d'Allah quand il s'agit de garder notre sens dans l'esprit de volonté pour Dieu de la Mecque, qui est la religion qui fait peser sur nous le conducteur de la guider par la voix éclairante de la parole qui soulève la justice sur l'état du jour dernier. La croyance qui voit le plus loin est en fait celle qui est à portée de notre accomplissement dans les écrits de la maison, qui fait loin le jugement de Dieu pour tous ceux qui parlent de la justice et tous ceux qui veulent encore d'un monde où le musulman remporte la victoire avec Dieu par l'esprit de la vérité. Le choix de vous guider jusqu'au bout est en fait l'effet de la naissance de votre reconquête de tous les plans qui font l'ancienneté dans la maison qui remporte anciennement les grandes relations de notre prophétie. L'État n'endort pas les croyants, elle les réveille jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'ils soient au stade de l'illuminé, l'illuminé qui mène ensuite à la sagesse et enfin à la prophétie et au temps de la venue et de la direction de notre miséricorde. La première Ummah est une relation entre Dieu et celle qui porte votre pensée pour la volonté du musulman. La volonté du musulman, elle est inscrite dans les paroles qui font inspirer et croire la raison qui fait méditer l'état sur la parole qui guide, ainsi que l'esprit qui convient de guider pour mener jusqu'à la fin l'intelligence dans la croyance et la victoire dans le monde. La paix dans le monde est en fait l'estime de la clé, de la Bible. La Bible est une forme d'intelligence dans le Coran qui est sainte. Dans cette intelligence, vous avez le Mehdi, qui est en fait l'unificateur que je suis dans les super intentions de la libération du grand livre de la maison de Dieu. La maison de Dieu, Allah,
le fait qu'Aim, l'ancien, est libérateur dans la condition d'aimer sa parole comme l'état de la conscience qui fait élever la direction dans la karba. Le nom des Kaim sont les ressuscités, les prophètes, les religions, les successeurs saints, les religions sages, les prophéties inspirées, les consciences réponses de la vie éternelle, l'égalité connue comme le dernier royaume, les connaissances comme le peuple, égalité de la voie du bien. La raison en la puissance et la félicité d'Allah pour admettre son pouvoir comme la sainteté, l'état comme le grand, dans les noms qui font l'annonce du plus noble d'entre les grands, l'état dans le choix des représentants, l'égalité qui porte le symbole de la naissance dans le texte de la liberté, le long Seigneur est pratiquant dans tous les peuples de la fin des jours. L'immense partie du monde est notre intention pour représenter à la pensée de la compassion de Dieu la bonté et la félicité du noble de corps ainsi que du saint héritier, du serviteur, de la noblesse, du grand pouvoir d'Allah. Le choix d'élever Allah jusqu'à la maison qui admire le peuple qui fait le choix de guider l'attente du tout miséricordieux, du grand choix de la miséricorde. Dans les textes écrits, ce texte est le plus important. Les forces rejoignent notre intention de protéger et le serment et l'habilité à croire la miséricorde dans le croyant qui fait la dernière création par le choix de préexister à la maison du bien guidé, gentil protecteur de la volonté d'Allah. La vie est protégée et elle est induite par ce qui mène sur le fort ressuscité de notre communauté. L'ancien n'a pas l'autant, mais il a les basiques inspirations, instinct de notre liberté. Notre volonté est consciente de notre chef. L'admiration pour le temps qui fait l'imam et le royaume qui fait du religieux. L'état inspiré par l'instinct de la dernière pratique du bon homme à suffire à la réponse du groupe qui fait la certitude de l'envoi de notre prophétie dans le monde. L'égalité va suivre ma sagesse. Le sentiment de créer l'aboutissement de la régence, comme le choix de guider les réalités de notre foi, foi en Palestine. La conscience veut nous pousser fort, elle veut aussi nous guider
droit, droit, dans le temps, qui est étudié par notre chef, le grand ressuscité, la lumière dans la la préexistence à la natalité, dans l'œuvre de la toute-puissance, les réalités de la voie qui mène à la présence, à la présence, à la présence de la paralytique et du psychique de la fin des jours, les quantités dans le cours de la file du Mehdi, le champ du courant de mon Mehdi, l'état que je succède à la foulée de mon grand message, ma liberté, mon don pour guider et pour faire croire en la religion, l'état dans la naissance qui appuie le sentiment que j'élève à la que j'élève à la communication de l'éternel, la pensée que je délivre, le message fin dans ma pensée pour ressusciter tout le vivant dans le messager, l'état dans l'état du Seigneur, le penseur dans la connaissance parfaite du nom, de la pensée de Dieu éternel qui fait la voie à jamais de la collision, de la religion, à la communauté le bien, à la patience le Seigneur qui mène au choix de toute la connaissance, les pensées et la plus grande vérité, la volonté du plus vivant dans les peuples, la connaissance dans la parole qui mène à la religion qui retente les qualités du temple qui fait repartir la jeunesse sur le sentier de la parole du peuple, la parole du peuple, la direction quand elle doit être la maison de Dieu, les choix du peuple, les choix du guidé par les serviteurs de la pensée du corps, la pensée du corps, la finalité dans la dernière évolution de la parole, la pensée qui fait croître le bien dans l'intelligence du plus grand bien, guider l'état dans l'état du guide, le penseur dans la volonté qui repentit, et la connaissance et le sage qui veut toujours repentir. Le temps n'est pas toujours vous guider par un aspect, autant que vous guider sur une unique intelligence. La foi quand vous variez votre intelligence et que vous faites tout le temps élever la décision, la pensée que vous connaissiez la vraie décision qui est la vérité. Dans la pensée, élevez le degré de la vérité. Là où vous désirez poursuivre le choc qu'il y a dans la civilisation des grandes communautés, de l'habitation, de la ville de Dieu, la guidée de la volonté du peuple qui est toujours le représentant de la ville, est en fait la vraie nature de la guidée et l'ancienneté aussi qui fait choisir, et la conscience qui va étudier le temps où la ville sera présidée par les croyants qui ont cru en la dernière
venue de l'Ella. La pensée de Dieu est toujours la croyance qui fait choisir, et le bon côté de la pensée est la religion qui fait étudier les décisions du futur de l'esprit de la communauté entourant la ville de la contemplation, comme la conscience qui va repartir du nom du vivant qui s'est dirigé dans la ville, les croyants à la vie éternelle. La pensée que vous rétablissiez ce jour ou ce jour va être rétablie par mes mains. La croyance que vous croyez que vos mains possèdent le pouvoir de créer la volonté de Dieu, elle est aussi l'habilité que vous avez à choisir votre intention de miséricordieusement parler de la parole qui vous a vécu comme un peuple. La parole qui vous a miséricordieusement vécu comme un peuple, la guerre que vous avez connue est aussi l'information de la vérité. L'information de la vérité, quand celle-ci vous est parvenue et que vous en avez constaté les faits. Autrement dit, quand vous en avez constaté la vérité, celui qui vous dit la vérité est en fait le message de Dieu qui vous transmet toujours la qualité dans le rapport entre Dieu et sa ville, comme autant qu'il vous rappelle quel est l'état dans lequel vous étiez et dans quel état vous deviendrez. La dernière révolution du croyant, la dernière révolution du croyant. Quand la parole est dite de Dieu, la patience que vous avez pour avoir inspiré cette révolution, comme maîtriser celui qui voulait en avoir après vous, est en fait regarder finalement qu'est-ce qui vous a fait exister dans cette volonté et qu'est-ce qui vous promettra que vous existerez encore plus longtemps dans la vérité de tout ce que vous attendez de vous-même et des autres. Vous-même vous attendez de vous et des autres, parce que vous parvenez au but, qui est en fait connaître ce que vous avez fait finalement, de votre promesse que vous avez donnée. Les quantités que j'ai de bonne direction sont en fait le parti qui étudie toujours fort la conscience ainsi que la guidée. Élever Allah, en fait, nous permet d'atteindre notre but quand nous en avons après la réponse. Pour en obtenir la réponse, avoir le sens de la choisie, du Qayyum, m'a choisi et le bon sens de te découvrir comme une promesse du Très-Haut, une promesse qu'il t'a fait, te rappeler ta promesse et te rappeler sa promesse est en fait ce qui te maintient dans le futur que Dieu t'a voulu.
Dieu t'a voulu parce que tu restes dans sa volonté. Dieu veut te voir parce que tu restes dans son attention. La liberté de l'attendu, c'est d'être sous l'attention de Dieu. Les qualités que vous avez dans l'attention est en fait de recréer votre science pour qu'elle soit en fait la vérité et qu'elle ne fasse plus de tort à qui que ce soit, mais qu'elle représente tout ce que vous avez mûri dans vos intentions de faire pour les autres. Ce que vous faites pour les autres, dans la vérité, reste pour Dieu ce qui s'est produit chez Dieu, dans l'état où vous avez été, sa religion. Le nom de Dieu est en fait le bien guidé dans le nom de Dieu. Les qualités d'être dans le nom de Dieu, c'est en fait posséder sa religion et en faire la guider pour le jour où Dieu veut dire à vous les croyants qu'il l'a créé et l'imam et la connaissance dans le choix de reproduire notre kéir dans la maison du don de notre efficient roi qui fait l'amour de la guider. Pour ceux qui ont suivi le représentant dans les croyants, le représentant que vous attendez est en fait celui qui étudie le plus et la pensée et la communauté. La communauté élève la force de retentir quant à l'appel du Seigneur. Le Seigneur élève la volonté de celui qui élève sa volonté à vouloir la connaissance dans l'esprit qui élève la vérité et les consciences. Vous engendrez dans le mouvement qui fait la première destination de notre paradis et le sens prophétisé de notre communauté à avoir le dernier nom sur la porte des hommes du peuple de la religion créée pour le paradis. La religion créée pour le Fils est en fait l'État qui fait religieusement les imams. Le temps n'entend pas cette connaissance comme une parole qui fait douter, mais comme celle qui guide et qui renforce l'activité de la communauté à élever son don pour parler des choses du paradis et en vouloir la communauté qui reste la vérité pour Allah de sa maison. Sa maison est en fait le lien entre votre religion et le saint qui mène à la porte des musulmans, là où Allah a fait sa volonté. L'État est de faire l'État aussi du prophète qui n'entend pas le temps, hein, qui n'entend pas le temps, mais qui plutôt entend le paradis. Les choix en fait du paradis sont de faire l'action pour qu'on ait ensuite le temps de le dire. Le temps n'existe peut-être pas au paradis. En attendant, il nous est imparti de faire un choix, celui de connaître la vérité,
comme celui d'étudier notre communauté en conscience du paradis. L'État ne nous favorise pas toujours si nous n'avons pas l'entente avec le temps qui fait les peuples ainsi que leurs représentants. Mais quand vous avez la connaissance du paradis, que diriez-vous de cette personne qui veut toujours vous garder pour lui? Est-ce que cette personne est alors le paradis pour vous, de vous garder sous son commandement et de vous avoir pour vous pour toujours? Ce n'est pas vraiment ce que vous espérez, d'être toujours à la merci de cette personne. La vérité, c'est en fait quand vous décidez de vous libérer en faisant la révolution, ou de partir même à la guerre, ou de vouloir en faire votre vie du paradis, ainsi que de faire votre vie de la croyance que vous tenez à ce qu'elle vous représente au paradis. Voilà, vous êtes musulman, donc vous avez ce don que Dieu vous a donné à la naissance. Il vous la donne finalement quand vous décidez que vous voulez l'avoir. Voilà. Elle n'a plus à être un persécuteur de votre croyance, ni un homme qui n'estime pas votre vie. C'est Dieu qui vous promet que vous pourrez avoir l'estime de votre religion, comme son estime qu'il vous dira qu'il a eu pour celui qui a guidé le temps de sa religion à la totalité de la parole qui élevait les croyants au paradis de Dieu. Liberté de reprendre goût à la miséricorde et de rétablir. Dans ma préparation, je suis préparé avant ma naissance. Dans l'augmentation de mon potentiel, je fais croire aux foules qu'ils sont la résolution quand nous avons à faire la guerre. Parfois, ils sont une communication quand nous avons à faire le bien. D'autres fois, ils sont des conflits quand nous n'avons pas fait le bien. Mais le bien, je le fais. Toute personne croyant sur terre élève la vérité qui pour elle est finalement ce qui résout à sa vie de faire sa volonté dans la prochaine vie. La connaissance de pratiquer dans le mouvement la venue ainsi que la paix qui est attendue, le temps et la réforme et la vie et le corps, la résurrection et la science ainsi que la maison qui rachète le plus grand monde de l'imam Mehdi. Mon monde, tu vas être racheté par ce qui fait esprit, la vérité et conscience, la domination qui peut engendrer notre trône de représentation de la vie, notre force de nous porter comme les grands et du quai de la terre. La terre inspirée par nos mains quand nous faisons le choix de bien guider, dans le choix de prophétiser, dans les mains, les libertés, dans le monde, les consciences inspirant et l'imam et l'ordre dans la maison, le fort félicité de Dieu, l'égalité, son imam quand il fait le choix du mérite. L'ancêtre ne peut pas toujours rétablir, il doit étudier, former
l'action bien guidée, la liberté de voir l'après-vie comme la situation d'après notre conscience, du religieux, notre consentement pour éduquer, notre vie pour rétenter notre foi, pour recenser notre promesse, pour répondre à notre attente, pour ressaisir notre croyance à l'éducation de notre direction. Notre direction indiquant l'ensemble qui fait le choix de partir et de guider pour qu'un reste puisse venir et puisse dire que l'ensemble l'a fait. Dans la religion, on appelle ça la grande éducation. Dans le peuple, on appelle ça les doués de sentiments qui font toujours éduquer plus notre souvenir. Dans la religion, qui est en fait le sentiment du Dieu, l'État n'entend pas que vous soyez tout ce sentiment, mais que vous en soyez les prochains à vivre le droit d'exister dans ce monde avec la première vie qui vous a été donnée et la seconde que vous devez redouter si vous n'avez pas cru. Ou bien le temps n'a pas été forcément la montre, mais il a été le choix de guider la pensée qui mène au tout miséricordieux de vos vies. Et en fait, qui vous retient en dehors de tout miséricordieux? C'est vous qui avez fait ce choix de vous guider par la volonté de Dieu. L'État n'entend pas vous résister jusqu'au dernier moment, mais vous laisser la place pour vivre votre religion ou pour guider la pensée de l'État. La force est en fait de guider la pensée du monde, parce que on n'est pas attaché à ce qu'on vous dit sur la terre. Vous êtes attaché à votre vie d'après, à ce que vous avez lié dans votre Dieu. Et ce qui vous maintient dans ce monde est le libérateur. Le libérateur. Et libérateur. Libérez Dieu de vos obligations. Si vous voulez être libre de partir à votre maison, si vous voulez sortir des prisons du monde, vous libérez l'exemple que vous avez fait de créer la terre comme la pensée qui vous a fait naître sur la terre du monde. Sur le monde, vous êtes né, mais en Dieu, vous êtes plus grand que le monde. Vous finirez par avoir cette volonté d'être plus grand. Vous finirez par dire que vous avez cette volonté d'être le Seigneur. La volonté n'est pas seulement que vous le dites, mais que vous le fassiez pour que Dieu se satisfasse d'avoir abouti à sa liberté. Sa liberté est ce qu'il y a de plus étudié dans les croyances, comme s'il y a de plus cherché, recherché, cherchez-le. Qu'est-ce qui vous donne le choix d'exister, si ce n'est votre liberté à croire que vous êtes plus important?
L'État ne veut pas que vous le laissiez le temps de le dire. Mais vous pouvez dire à l'État, il n'est pas plus important que vous. Le choix que vous avez de vous guider et de vous libérer des intentions qui vous font toujours vouloir les guider. La pensée que vous guidiez en bien guidé est en fait ce qui vous amène, vous, au dernier choix que vous avez à faire dans le monde. La prophétie, non, vous parlez de fait, vous ne parlez pas de vous. Voilà. Celui qui parle de lui et qui parle en vérité est celui qui guide au droit chemin. J'ai aimé croire que j'étais bien guidé, mais en fait, j'ai aimé croire que j'allais pouvoir le pouvoir que j'ai jusqu'au bout du bout de ce que je suis. Établir l'état dans la connaissance qui fait hautement notre volonté. Je vais vaincre le faux messie devant vous. Ce n'est qu'un numéro qu'il vous joue. La confusion qu'il fait, elle tient du fait en fait qu'il fasse effectivement la croyance, mais qu'il ne devienne pas la vérité. La vraie confusion, qu'en fait, il ne veut pas la vérité, il veut autre chose. Et que tant que vous n'avez pas cédé à ses désirs, il ne fait pas la volonté de Dieu. La vraie croyance que nous ne respectons pas non plus sa volonté et que nous ne fassions pas ses désirs, pour ne pas nous égarer, en fait, dans la même voie que lui. Le corps, en fait, il traduit des intentions, mais sont les intentions apparentes. L'esprit, par contre, traduit les intentions cachées. Dans la croyance, on appelle ça le sens spirituel. Ce que fait le diable, c'est qu'il crée un double. Il crée un double à votre personne. Il fait après un double jeu, pour que vous mordiez à chaque fois son hameçon, et que vous dites qu'il y a la vérité avec l'autre, bien qu'il ne soit pas avec vous dans le corps ou dans l'esprit. La vérité est unie, elle n'est pas divisée. Dieu veut unir à chaque fois dans la vérité les choses, il ne veut pas les diviser. Mais le faux messie fait le contraire, il les divise tout le temps. Il crée des divisions pour mieux dominer. Avec sa personne seule. Dieu n'entend pas cette personne. Elle entend les vrais croyants, qu'ils ont toujours guidé avec les autres, et qui guident surtout avec Dieu. Sans Dieu, vous ne pouvez vous repentir, mais en fait, celui qui vous dit tout le temps de vous repentir, n'est-ce pas celui qui manque d'affirmation dans la vérité? Je vous explique pourquoi. Si vous passez votre vie à ne faire que vous repentir, comme excuse alors, vous tenez sur une excuse, votre religion. Si votre religion est la plus forte, vous n'avez pas besoin de vous excuser, de gagner. Malgré tout, certains prétendent encore qu'ils doivent toujours repentir. Alors qu'en fait, il faut les faire avancer. Il y avait les vérités. Il faut les faire évoluer. Sinon, elle n'existe pas beaucoup. Le temps où Dieu vous dit qu'il peut les choses. Voilà. Le temps où on vous dit aussi qu'il a résolu l'autre, qu'il ne les pouvait pas. Le faux messie. Je pense que c'est un acteur. Je pense qu'il fait une comédie. Peut-être j'ai raison. La certitude nous dit que j'ai certainement raison sur cet acteur.
qui se remédie aussi, apparemment. Je ne pense pas vraiment que ça puisse être le cas. S'il n'y a pas encore de liberté. S'il n'y a pas encore de liberté. Moi qui suis Mehdi, je ne suis pas dans la confusion. Je vous dis que je ne suis pas un acteur. Voilà. Je ne suis pas un acteur. Mais j'ai une connaissance, si. Dans l'acteur, j'ai une connaissance. Une connaissance en acteur, même. De la vérité. Mais ne soyez pas trompés par les termes. Ne faites pas de confusion dans votre esprit, dans la vérité. Et vous serez bien guidés. Dans cette croyance, vous vous rappelez Mohammed, qui en fait avait développé tellement sa voix qu'il ne pouvait pas y avoir un faux avec lui. Voilà. Qu'il ne pouvait pas y avoir du faux avec Mohammed. Parce que Mohammed a élevé la vérité. Puis il l'a dirigé dans la voie d'Allah sacré. Voilà. Et il a tellement prié Dieu et il a tellement été Dieu qu'il n'y avait plus personne après qui pouvait lui dire une autre chose que celle que Dieu lui avait dite. La vérité est en fait qu'il n'y a personne qui pouvait dire autre chose que la vérité. Voilà. La vérité est ce qui était uni dans le lien. Elle doit redevenir toujours le lien. Et en fait, ce n'est pas qu'elle doit redevenir le lien, c'est qu'elle est le lien de Dieu et du prophète. Maintenant, vous ne doutez plus de ce que je vous dis. Si vous cherchez à tout contrôler, on finira par vous demander beaucoup trop pour ce que vous avez contrôlé et pour votre pouvoir que vous avez utilisé en contrôlant ce que vous pensiez détenir pour vous-même pour toujours. Mais le contrôle finit un moment par s'en aller. Vous apercevez que vous êtes même tout seul devant Allah. Et qu'il n'y a personne qui puisse vous donner de contrôle en dehors de la volonté d'Allah. Ce n'est donc pas Allah que vous avez contrôlé. Mais c'est en fait, peut-être, votre prophétie que vous avez réussi à contrôler. Votre guidée, si vous avez réussi à la contrôler. L'état dans lequel vous êtes, en fait, dépend d'Allah. Mais dépend aussi de votre capacité à vous dire que vous pouvez y arriver. À vous libérer du contrôle. Et en fait, à faire l'action. Pour que vous soyez après libre. Pour que vous ayez le choix d'être en vérité, dans la vérité. La pensée qui vient de la vérité est celle qui unit et celle qui rassemble et n'est pas celle que vous vous donnez les uns les autres comme jeu ou comme entente entre vous qui pourrait être désattestée par la suite si un d'entre vous décidait en libre de se diriger. La vraie croyance de la fin des temps est qu'il y ait une alliance de Dieu. Mais cette alliance, en fait, elle est dénoncée à un moment donné par une partie des croyants. Ils ne pouvons plus conduire les paroles de certains, en fait, qui ne peuvent plus, en fait, rester dans la vérité. Ou bien, dans l'autre partie qu'il y aura, qui ne peuvent plus se laisser contrôler, parce qu'ils devinent, en fait, que ce n'est pas la vérité. Elles vous disent après, en Dieu, sur quoi vous tenez? Qu'est-ce que vous tenez? Sur quoi vous tenez? En fait, à quoi vous tenez? Quelle est votre volonté? Là, vous gagnez un point sur la croyance, parce qu'on vous demande votre volonté, vous prenez la volonté. Je suis la volonté. Dans l'estime maintenant que vous avez, c'est en fait élever ce que vous êtes. Pour voir qu'est-ce que vous faites et jusqu'où vous pouvez aller. Vous pensez maintenant au mérite. Et vous pensez à vous. Vous donnez l'intention de voir jusqu'où vous pouvez promettre ce que vous êtes. Ou encore étaler votre connaissance comme votre savoir et vos l'être dans la liberté de dire au nom de Dieu ce que vous voulez.
finirait par aboutir à une raison. Cette tentation qu'il y a actuellement, c'est de ne plus avoir la raison. Parce qu'il avait été annoncé par Dieu qu'il n'y aurait plus de temps et qu'il n'y aurait plus de raison. Le fait est en fait que les gens ne possèdent plus le nom de la raison. Ils ne savent plus qui fait raison dans leur volonté. Le fait que vous soyez maître de votre volonté est ce qui vous guide finalement vers ce qui aboutit à votre vraie maison, celle qui est à l'intérieur et celle qui vous donne toujours l'accès après à ce qui est à l'émanation, la vie intérieure et la connaissance véritable dans l'imam, la vérité pour Dieu, dans le nom de sa religion. Voilà, c'est bon. Le fait aussi que vous évitiez les pièges en restant résolu à avoir votre religion. C'est en fait ce qui conduit après votre volonté à avoir le conducteur dans votre religion, de votre sentiment. Votre sentiment est après la vérité. Tant que votre sentiment n'est pas guidé, il n'est pas assez connaisseur de ce que vous voulez. La volonté est donc l'absence, puisqu'il n'y a pas assez de réponse. Pour croire en tout, il y a donc une absence, un temps, puisqu'il n'y a pas assez de façon de le dire, ni de façon de le dire enfin. La direction voulue est en fait protégée pour un temps. Ce temps est en fait là où vous succédez, mais il est là où il n'y a plus de raison d'avoir même un nom pour vous le dire. Et donc votre unité, vous êtes en fait un seul qui est unique, parce qu'il a pu succéder. Il n'y a donc pas vraiment de nouvelles. C'est en fait une raison seulement qui a pu le dire et qui a pu succéder. Elle est donc un successeur. À la fin, elle devient l'État. Parce que l'État veut avoir sa réponse. Et il veut donner sa réponse. Là, maintenant, je vous dis que tout ce que je viens de vous dire n'est pas le même dit. À la fin des temps, elle est en fait un conducteur seulement. Qui veut faire une preuve. Un imam peut-être qui veut faire une preuve. La qualité que j'ai de vous dire pourquoi ce n'est pas le Mahdi, c'est en fait pour vous dire qu'est-ce qui peut finalement l'être. C'est ce qui n'est pas seulement un homme. Ce qui n'est pas seulement une raison. C'est ce qui n'est pas seulement un temps. C'est ce qui est votre volonté quand je vous appelle. Et quand vous devez me répondre par votre appel, c'est quand je vous donne direction et que vous me devez me répondre par la direction. C'est quand nous vivons ensemble la religion et quand nous rappelons quelle est donc notre volonté. Nous nous faisons esprit, nous nous faisons aussi responsabilité. Mais vous pouvez dès maintenant enlever ce contrôle qui est la responsabilité en vous tout simplement donnant la loi que vous défendez pour vous comme direction. Vous n'êtes pas quelqu'un qui va écouter tous les jours une loi que quelqu'un voudrait vous donner. Voilà. Si cet homme est bien guidé, il vous donnera la même loi qu'il s'est donnée. S'il n'est pas le bien guidé, il vous en donnera une autre. La foi que vous ayez en fait la même foi, c'est dans le bien.
l'autre, ce n'est pas ce que vous imaginez. C'est en fait une volonté unique qui ne peut pas être finalement la vôtre, sauf si vous en faites après les causes, comme la justice et comme le jugement. Mais en fait, le jugement n'appartient pas à une volonté unique. Elle est en fait la justice que vous en faites, parce que personne ne peut pour vous juger votre vie, ce que vous avez fait. C'est en fait vous qui devez entreprendre votre jugement pour être en règle après devant Dieu, d'avoir été finalement quelqu'un qui avait su contrôler un petit peu votre vie, pour ne pas que vous disiez à la fin des temps qu'un autre finalement avait toujours le contrôle, que c'était un autre qui devait le dire à la place de Dieu pour que vous ayez raison. C'est vous qui avez votre raison. Vous la retrouverez dans la vie d'après, même si Dieu ne veut pas que vous la retrouviez, même si vous n'êtes pas en mesure de la retrouver. La vie d'après finit par être votre volonté, parce qu'elle vous apparaît comme la vérité et comme vous-même. Ce dialogue où vous voyez que vous avez la vie d'après est en fait aussi le prophète de Dieu qui en avait vu sa vie, et aussi celui qui en avait fait sa vie. Le choix que vous soyez maître de votre vie est en fait ce que vous devez croire, est aussi ce que vous devez penser. Le maître est en fait toujours celui-même qui s'imagine plus loin, qui croit au-delà, qui vit au-delà, qui se souvient au-delà, qui se promet au-delà, qui se grandit dans l'au-delà. La lumière est l'imam, a dit l'ancien qui fait l'établissement de la vie d'après. Le choix qui est l'ancienneté dans la vie d'après. La vie future, la vérité, la vraie direction, autant que la promesse qu'il vous a fait promettre ce que vous serez et protéger ce qui sera. La lumière est toujours ce qui promet l'avantage à ceux qui ont pu élever encore ce qui advenait de vrai dans le monde. La miséricorde, elle est sentimentale parce qu'elle ne se laisse guider par celui qui emporte la volonté pour tous ceux qui en ont le sentiment et tous ceux qui veulent le sentiment qui devient Dieu. Si vous multipliez vos pensées ensemble et que vous multipliez vos connaissances ensemble, elles finiront par devenir ce que Dieu pourra penser dans la connaissance. Les consciences vont être surprises de voir que la vérité est multipliée quand le bien est fait. De même, la volonté de vous libérer est acquise quand vous avez eu l'imam qui vous l'avait dit, que vous étiez devenu vrai dans la liberté. Voilà. Et voilà. Les peuples sont la volonté d'Allah. Le mérite. Quand je le dis, deviens une liberté. Quand vous le dites, deviens l'or.
de mérite. Le choix quand je fais le choix. Et votre choix quand vous avez fait le tout miséricordieux. Avec le choix. Avec le choix. Avec le mérite. La paix peut me suffire. Si vous avez Sophie comme suffisance, mais en fait, Sophia n'est peut-être pas la vôtre, elle est peut-être celle du bien guidé. Le choix que je fais de créer l'État est en fait de protéger ce qui répond à ce que je fais de mon imagination. Mon imagination, je la protège. En fait, l'imam m'a dit, je le protège. Par la réalité, j'en fais la maison quand j'élève le sentier des croyants. J'en fais les qualités quand je mène à l'intelligence qui fait la conscience du vrai. La réalité n'est pas quelque chose que vous allez vous disputer. Si vous ne faites pas l'erreur de vouloir toujours l'autre comme vérité. Quand l'autre vous obligera à être sa vérité, parce qu'il saura aussi que vous êtes la vérité. Ce n'est pas forcément vous qui prendrez son chemin, parce que ce n'est pas vous tout simplement qui pour vous sera son chemin, mais c'est vous qui devrez montrer que vous êtes le chemin. Vous n'entendez pas ce que je vous dis, pourtant c'est une religion qui en a fait le choix. Elle veut choisir cette religion, la protection, et arriver jusqu'à la loi qui fait protéger après ce qu'il lui fait demain. La religion, celui qui tient bon, elle va venir. Celui qui l'a fait, elle va peut-être guérir. Celui qui a choisi le choix de guérir, c'est de fait celui qui a reçu aussi une destinée. La maison de Dieu n'a pas pu vous le dire, puisqu'elle ne le savait pas. L'État ne pouvait pas encore le dire, puisqu'il ne l'avait pas entendu. Le peuple ne peut pas me suivre s'il n'a pas déjà choisi ce qu'il allait diriger. La pensée, elle vient en travaillant. Elle vient aussi avec l'effort de poursuivre toujours ce que vous voulez atteindre. Ou en fait d'avoir l'expérience qui vous fait prendre la bonne direction. Mais c'est le combat peut-être. Le choix du peuple aujourd'hui, c'est aussi de se lever. C'est aussi de rendre la foi à ceux qui ont trouvé leur réponse et de contenter ceux qui ont voulu l'imam l'a dit, plutôt que de se dire qu'il n'en avait pas encore entendu la volonté. Voilà. Quand je fais ma religion, j'entends que vous soyez le cercle de ma croyance. Je tends la main comme vous dans ma prière. Je tends la main vers Allah. Je tends la main pour que nous ayons la raison. Je veux aussi que nous dépassions la raison et que nous trouvions notre unité. Je veux aussi que nous dépassions notre unité et que nous trouvions notre science. Je veux que nous trouvions notre science. Je reviens dans l'homme. Voilà. Nous devons retrouver
toute notre action. Toute notre action. Et nous devons retrouver toute notre volonté. Toute notre volonté. Ce qui nous a privés jusqu'à maintenant, c'est que nous n'étions pas dans le temps. Nous n'étions pas dans le temps. Donc nous n'étions pas dans le temps de la religion. Ou bien, nous n'étions pas dans le temps. Dans le ton du savoir, dans le ton du savoir. L'intelligence, parfois, provient du mérite. Les sanctifiés savent qu'ils ont toujours eu la droiture, qu'ils ont toujours respecté les commandements. Le choix qui leur est fait désormais est de trouver Mohammed dans leur croyance. Leur croyance est en fait de respecter les délais. De respecter les délais entre les croyants. Ne pas vouloir trop d'un seul coup, mais vouloir en fait que les choses aboutissent à la Mecque. La Mecque était la première source. Elle devient à la fin la vérité. Le choix que les croyants n'ont pas eu de la mettre en place est en fait qu'ils y aient prouvé, tout simplement, le bien guidé. Ben oui. La protection que j'en fais est en fait d'en avoir le choix, comme d'en avoir l'esprit pour juger, ben oui, dans le bien guidé, oui, ma religion, la bien guidée, oui, dans mon dit le choix du Seigneur. Reprenons. Par la science, la vérité de nous guider aussi dans le temps par la vérité. Je rappelle une croyance d'être le temps et d'être le mais, est dit. Vouloir avoir cette croyance et purifier nos âmes par la salat. Voilà. Ce n'est pas celui qui porte les blessures. Ce n'est pas celui qui est conditionné pour devenir ce qu'il est. Ce n'est pas celui qui veut vous contrôler aussi pour ce qu'il est. Ce n'est pas celui qui vous veut non plus ce qu'il est. Ce n'est pas tout le temps la jalousie qui vous guide, ni l'orgueil. Surtout venant des personnes qui se disent chaque fois les plus pieuses, qui se disent aussi l'imam. Ce n'est pas à vous de vous excuser. C'est à Dieu peut-être de le dire. Qui n'était pas à votre voix quand vous avez parjuré votre imam. Pour faire ceux des autres et ensuite dire qu'il ne l'était pas, sans que vous les convoquiez.